Non, non, mais bon, le sport en général est un rapport de force permanent. Sur l'entame, je crois qu'on a peur. On a énormément peur de cette équipe qui nous a montré, dans ce qu'elle a fait sur les trois premiers matchs, une capacité à fermer, à avoir des rotations formidables. Donc du coup, on est très très concentré, on joue sur un plan de jeu. Et après, ça se délite vite, bien sûr, mais surtout face à leur pression, quoi. Dès l'instant, ils ont commencé à nous agresser, à foutre des claques, on s'échappe. Là, on a aucune dureté qui correspond à cette division. Déjà qu'on est très tendre par la jeunesse, hein, on l'a vu, on a des lapins de 3 semaines par moment sur des actions, beaucoup de naïveté. Si en plus il y a des gens pas au rendez-vous ce soir, je pense à Miles Scott, quoi. C'est un vrai problème. On n'a pas de consistance face à cette dureté-là et on recule. On recule comme au rugby, quand une équipe se fout à cartonner, celle qui recule, elle a perdu le match, c'est clair. Voilà. Et ce soir, nous, on a reculé. On a reculé sur la deuxième partie qui a commencé à l'entame du second quart-temps. Il y a certains de nos joueurs que l'on sait, hein, juste. On a une équipe modeste, on le crie au départ, mais bon, il faut afficher des objectifs toujours. Oui, c'est pour ça que je suis allé dans le sens de jouer l'Euroleague très rapidement pour nous, bien sûr. Comme ça, tout le monde est satisfait. Mais après, on sait réellement que nous sommes modestes, on l'a annoncé. Mais que face quand même ou avec ces moyens-là, par moment, il faut se montrer un peu plus révolté. En première mi-temps, la seule solution, c'était de contrôler le rebond. Ils prennent 9 rebonds offensifs qui donnent 13 points à la mi-temps. Hein ? Imaginez la moitié de débours, ça donne autre chose, hein ? Ça donne autre chose. Du coup, les rebonds offensifs que eux marquent, sinon on les a comme ballon de relance, le match, c'est pas peut-être le même. Voilà. Deuxième mi-temps, on verrouille le rebond. C'est magnifique, ils n'en prennent plus un. Sauf qu'ils shootent à 64% de réussite à la deuxième mi-temps. Donc on n'a pas de rebond à prendre, on n'a à prendre que des remises en jeu. On n'a pas été du tout, nous, dans le rythme. C'est eux qui l'ont pris, le rythme, parce qu'ils nous ont fait déjouer. Physiquement, ils sont plus forts que nous, quoi. Ils sont largement plus forts que nous. Il y en a 27 et 20, hein, sur les deux matchs à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on peut se dire mais c'est 40 minutes un match, hein. Pourquoi l'adversaire a continué à jouer alors qu'il en avait 10 on aurait pu se dire on finit à 10. Non, il a continué à jouer, l'adversaire. Nous, on n'a pas continué. Dans les plans, quand je vois le calendrier, que je vois la composition des équipes, les équipes qui continuent à se renforcer, hein. On a vu encore cette semaine des équipes qui se renforcent. L'écart grandit. Donc, moi, je ne m'affole pas, en tout cas. Je ne m'affole pas parce que j'ai confiance au travail. Je fais beaucoup confiance aux hommes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Et au bout du bout, en s'inscrivant dans la durée, on peut peut-être arriver à renverser des situations. Voilà. Il faut du cœur, il faut de temps en temps un petit peu de baraka aussi, ça existe. Il y a eu un passage là où, à un moment donné, ça aurait pu les faire douter plus longtemps. Après, je ne connais pas l'issue, encore une fois. Hein, ça aurait peut-être explosé de la même façon. Mais à un moment donné, on n'est pas très très heureux sur certaines de nos initiatives offensives, quoi.